c'est le coup d'envoi. J'espère qu'on va avoir un bon match. Moi aussi, une coupe de course. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ah, ça ne passe pas. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Allez, qui va reprendre ce ballon? Ah, il ne trouve pas son partenaire, l'intention était bonne. Il a joué la sûreté hein, sur ce dégagement. Close. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Le ballon qui change de camp. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Bon jaillissement sur cette passe. Peut-être une bonne opportunité, attention. Lampard maintenant. Et la voilà la frappe. Et finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Il est là pour récupérer ce ballon. Dommage, une belle aspiration sur cette passe en profondeur. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il tacle. Close. Oh, la mauvaise passe, il n'a pas regardé où il la mettait. Le ballon qui sort, touche. Ça part bien, action dangereuse. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Pizarro. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Un ballon rendu à l'adversaire. Ah, il est à l'interception. Ouais, bonne interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Bonne récupération au milieu de terrain. Allez, dans le couloir. Pizarro. Et l'attaque va s'arrêter là. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact.
Pizarro. Ah, et bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Voilà, on va repasser par le gardien. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Le tir, pas de problème pour le gardien. La bonne tête. Est-ce ce ballon qui traîne? Pizarro. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. La passe parfaitement dosée. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Bonne interception. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Ça y est. Début à l'instant de la seconde période. Est-ce que l'arbitre va sortir un jaune ? Écoutez la réaction du public, Pierre, avec les visiteurs qui jouent la montre, qui prennent leur temps sur chaque arrêt de jeu, ça les agace. Hein. Ouais, on espère qu'ils seront sanctionnés de leur tricherie par... un bon gros temps additionnel. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Attention à la frappe. Toujours ce score de parité donc. Ouais, c'est dévié le ballon qui sort. Allez, qui va reprendre ce ballon. On s'approche du but. Allez, l'occasion de passer devant. Hors jeu, oh dommage, il était tout seul. C'est récupéré. Ah, c'est une touche. Ils font tourner à la une place à tête. Ah, c'est pas passé. Hein. Énorme occasion. Bien défait du marquage, mais il est un petit peu dans ce dernier geste.
Ça part bien, action dangereuse. Le gardien qui va pouvoir se dégager avec une sortie de but. Ah dommage, ça va être un peu trop court cette passe, c'était bien vu. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Attention si ça rentre! Et le but! Et voilà, ils sont devant avec ce but. On peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans les derniers gestes. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste, on doit trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Il aurait fallu attendre la seconde période pour voir le premier but. Pizarro. Peut-être une bonne opportunité. Attention. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Et la voilà la frappe. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. C'est un centre. Interception. Ouais, coup franc, bien sûr. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. La bonne interception. Les 30 derniers mètres. Ils attendent une ouverture dans la défense. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Il est à l'interception. Ah ouais, bien donné en profondeur. Attention à la frappe. Le gardien qui repousse. Attention. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Lampard. On s'approche de la zone de vérité. Et sous la pression du défenseur, eh bien, il est sorti en touche. Il récupère le ballon sur cette interception. Ah, l'attaque enrayée. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai. On va regarder ce que dit l'arbitre. Allez, dans le couloir. Ils ont décidé de poser le jeu. Peut-être l'égalisation. On est passé tout près de l'égalisation. Là, c'est une touche. Un ballon qui sort en touche. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Il y a peut-être une bonne occasion. Attention à la frappe. Il n'est pas passé loin, celle-ci. Bien, fort, fort bien, parce que c'est un ballon très important.
Ouais, bah, l'interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Ouais, un bon ballon d'attaque. Il faut en tourner. Et voilà qui met fin à une belle séquence de jeu. Attention, cette... ouais, la tentative. Ballon bien négocié par le gardien. Il intercepte. 4 minutes de temps additionnel. Allez, 4 minutes pour y croire encore. Ils sont pas contents, les supporters. Ils auraient préféré entendre le coup de sifflet final, c'est clair. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Pizarro. Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. Oh, sur cette interception, il vient de casser une occasion terrible. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, elle va faire du bien à son équipe, cette interception. Ça y est, c'est terminé. On n'aura vu qu'un but dans ce match. 1-0 donc.